Bonjour à tous, c'est CBBAT et bienvenue pour un nouveau épisode de Let's Math. Let's Math numéro 36. Et dans cette vidéo, nous allons aborder le deuxième exercice de la deuxième partie de l'épreuve CRPE 2016 de mathématiques, groupement 2. Ce deuxième exercice a pour thème le dénombrement et probabilité. Donc, bien, allez, je vais laisser maintenant Virginie lire l'énoncé du problème. Exercice 2. D'après ma tante Jean 2011-2012, Collège Mermoz, Merly. Le cochon qui rit. Une règle du jeu. Le jeu se joue avec deux dés, des cubiques non truqués, avec des faces numérotées d'un à 6. But de la partie, obtenir un cochon composé d'un corps, de deux yeux, de deux oreilles, de quatre pattes et d'une queue. Début de la partie, chaque joueur lance un dé. Celui qui obtient le score le plus élevé, commence à jouer puis chaque joueur joue successivement, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Déroulement du jeu, lorsque c'est son tour, le joueur lance les deux dés, non truqués. Si le joueur n'a pas encore pris le corps de son cochon, il doit obtenir un 6 au moins avec l'un des deux dés. S'il n'obtient pas de 6, il passe les dés au joueur suivant. S'il obtient un 6 au moins, il prend le corps de son cochon et relance les dés. Si le joueur a déjà pris le corps de son cochon, il doit obtenir un ou plusieurs 1, pour prendre les attributs du cochon. S'il n'obtient pas d'un, il passe les dés au joueur suivant. S'il obtient un seul 1, il peut prendre un œil, une oreille ou une patte, puis il relance les dés. S'il obtient 2, 1, il peut prendre la queue du cochon ou deux autres attributs, oreille, yeux, patte. Identique ou non, puis il relance les dés. Fin de la partie, le gagnant est le premier joueur à avoir complété son cochon. 1. Nicolas affirme, si dans la règle, on remplaçait la valeur 1 par la valeur 2, on aurait deux fois moins de chances de gagner. A-t-il raison? Justifié. 2. Sophie affirme, j'ai deux fois plus de chances de pouvoir prendre une oreille que la queue. A-t-elle raison? Justifié. 3. Quelle est la probabilité qu'un joueur ne puisse pas prendre le corps du cochon, ni lors de son premier tour de jeu, ni lors de son deuxième tour de jeu? Alors, là, si on remplaçait valeur 1 par 2, on aurait deux fois moins de chances de gagner. Alors, pour avoir, ici, donc, c'est pour avoir le... pour remplir le corps du cochon. Donc 1 permet de mettre des parties du corps du cochon. Et si on remplaçait 1 par 2, qu'est-ce qui se passe? Alors, bien entendu, c'est au deuxième tour. Donc là, on va dire passage du premier tour. Passage du premier tour. Alors ici, les différentes combinaisons, c'est ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Donc je vais mettre en vert les combinaisons pour avoir le 1. 1, ici, et ici. Donc pour avoir 1, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 combinaisons. Et pour avoir un 2, bien entendu, 1 ou 2, donc on va dire en bleu, hop, on a celle-là, 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 et celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc pour avoir 2, il y a aussi 11 combinaisons. Et donc, Nicolas n'a pas raison. Nicolas n'a pas raison. Car on a autant de chances d'avoir un 1 ou 2 1 dans notre tirage de 2 dés. Bien entendu, les dés ne sont pas truqués. Que de chances d'avoir un 2 ou 2 2. Donc Nicolas
À tort. Sophie affirme qu'il y a deux fois plus de chances de prendre une oreille que la queue. Alors, prendre une oreille, c'est obtenir un seul 1 et obtenir 2 1. Et prendre la queue, c'est obtenir 2 1. Donc, si on refait le tableau, donc tableau des possibilités, bien entendu, on suppose qu'on a passé le P1, la partie 1. Donc ça veut dire qu'on a fait 1, 6. Ça. Donc on a obtenu au moins un 6 pour P1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour avoir une oreille, il faut faire soit 1, 1 ou 2, 1. Donc 1, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Et pour avoir une queue, il faut faire 2, 1. Donc là, on compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 possibilités pour avoir une oreille et une possibilité pour avoir une queue. Donc non, il y a 11 fois plus de chances de pouvoir prendre une oreille que la queue. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'un joueur ne puisse pas prendre le corps de cochon, ni lors de son premier tour, ni lors de son deuxième tour? Donc on va s'intéresser à la probabilité qu'il ne puisse pas prendre le corps du cochon lors du premier tour. Et dès qu'on a trouvé cette probabilité, on va multiplier cette probabilité par elle-même pour avoir la probabilité d'avoir ni premier tour ni second tour. Donc, on va refaire le tableau de possibilités. Donc, s'il n'obtient pas de 6, il passe donc son tour. Donc, on va faire la probabilité contraire. S'il obtient un 6, au moins un 6, bien entendu, il peut prendre une partie du corps. Donc, ça veut dire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, la probabilité qu'il ne peut pas prendre une partie du corps va se trouver ici. Ça veut dire donc il y a 36 possibilités et 11 possibilités de faire au moins 6, donc probabilité que l'on cherche est égale à donc 36 sur 36 moins 11 sur 36, c'est-à-dire 25 sur 36. Et donc la probabilité cherchée, probabilité 1 et 2. Bon, la notation est un peu bizarre, mais c'est la seule que j'ai pu trouver. 25 sur 36 fois 25 sur 36. C'est-à-dire 25 fois 25, 625 sur 1296. Donc c'est à peu près égal à 0,48. Donc la probabilité qu'un joueur ne puisse pas prendre le corps du cochon, ni lors du premier tour, ni lors du second tour, du deuxième tour, est égale à peu près à 0,48. Bien voilà, nous avons résolu l'exercice 2 de la deuxième partie de l'épreuve mathématique du CRPE 2016 en 2. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé prochain épisode de Let's Math, vous abonnez à la chaîne YouTube CBMath. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.